Capture d'écran à 6h50 avec vous, Redouane Tella. Alors comme ça, vous passez tous vos après-midi devant le Tour de France. Bah oui, il y a quand même quelques avantages à travailler tôt le matin. On rentre plus tôt. Moi, en ce moment, je suis de retour à la maison pile à l'heure où commence le Tour sur France 3 à 13h, si ça vous intéresse. Et à chaque jour, bah, le même rituel, je m'affale sur le canapé et je ne le quitte pas jusqu'à la fin de l'étape. Alors ça peut sembler étrange, comme habitude, surtout quand, comme moi, on ne s'intéresse absolument pas au cyclisme. Je ne connais presque aucun coureur, il ne m'impressionne même pas. Je vois l'effort, mais je ne le comprends pas. Et pourtant, bah, tous les ans, moi, j'ai rendez-vous avec cette compétition devant ma télévision. Et je ne pense pas être le seul, très franchement, à passer énormément de temps à regarder le Tour sans pour autant m'intéresser plus que ça à la course. Parce que moi, ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas le sport en soi, c'est l'événement télévisé. C'est la sensation de faire partie d'un mouvement mondial, de savoir que je partage avec des millions de personnes au même moment devant notre petite télé une émotion, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais le Tour, c'est la troisième compétition sportive la plus regardée dans le monde, derrière les JO et la Coupe du Monde de football. Alors si on rembobine le fil, le Tour de France et les écrans, c'est une histoire d'amour qui a commencé au début du XXe siècle. Dès 1910, soit quelques années après la création du Tour, on l'a filmé pour les actualités cinématographiques à l'époque, et dès l'arrivée de la télévision, on a voulu diffuser le Tour sur petit écran, pour bien évidemment partager ce grand événement populaire avec le plus grand nombre. Alors pour ça, on a multiplié les prouesses techniques. Par exemple, est-ce que vous savez quel est le premier direct en extérieur de l'histoire de la télévision française? Eh bien, c'est le Tour de France 1948. Ouais, tu ne l'avais pas celle-ci, Thomas Crozier. Alors moi, je n'ai pas trouvé d'archives malheureusement de ce moment de télé. Par contre, j'ai un résumé de la 21e étape du Tour de France 1956. Moi, je trouve que c'est assez savoureux. Jean Dotto a donc pris le large, il est maintenant à 3 km du sommet, 500 mètres déjà le séparent de ses poursuivants. Et le peloton tout de même se décide à donner la chasse, le peloton où l'on reconnaît au passage Darrigade, qui trouve enfin des cols à sa mesure, où l'on reconnaît Okers et Valkoviak. Valkoviak qui est d'ailleurs sérieusement marqué par Gilbert Beauvin, que voici. Cependant que derrière, le vainqueur de la veille, Miguel Bovert, récupère en queue de peloton. J'adore le mixage, moi, avec les petites poules, mais c'est quand même magnifique. On n'est pas du tout dans le cliché, c'est ça qui est bien. Non, pas du tout. Bon, alors à l'époque, peu de gens avaient la télévision en 1956, ce n'est que dans les années 60 qu'elle s'est imposée. C'est à ce moment-là que le Tour de France est devenu un événement télévisuel incontournable. D'ailleurs, à l'époque, on vendait des téléviseurs en utilisant comme argument le fait que le Tour y était diffusé. C'est dire à quel point l'histoire du petit écran est liée à cette compétition. Alors aujourd'hui, c'est devenu un repère temporel pour plein de Français, comme d'autres événements télévisuels d'ailleurs. Le Tour de France, c'est l'été, le Téléthon, c'est début décembre, comme les Miss, les Césars, c'est fin février, Roland-Garros, c'est fin mai, juste après le Festival de Cannes. Ah bah non. Ah non, pas bah cette année, pas cette année, coronavirus oblige, tout a été chamboulé, le calendrier du Festival de Cannes est venu perturber celui du Tour de France, alors moi je ne comprends plus rien, je ne sais même plus quelle date on est, et je commence à me dire que Léo Scarrax a une chance de gagner le Tour de France. Bref, je vous le dis souvent, les habitudes à la télé, c'est sacré, le monde tourne déjà à l'envers, laissez-nous nos repères. Et rendez-vous donc sur votre canapé à 13h pour la 11e étape du Tour de France, diffusée d'abord par France 3, puis par France 2. Et nous aussi. Il y a un décrochage à 15h, pour être précis. Ah oui, vraiment. Ah ouais, non, mais moi je suis.